on dit que c'est seulement 4 nations qui remportent compétition ça déjà. C'est les États-Unis d'Amérique qui lui-même gagne 4 titres. C'est l'Allemagne qui gagne 2 2003-2007. C'est Norvège qui gagne 1 en 1995. Et c'est Japon qui gagne 1 en 2011. Donc, c'est 4 équipes ça qui déjà inscrit dans le sagaire avec Mondial Féminin. Faut que nous disions Mondial Féminin, il n'y a pas de commencer Jean Kelly là. Et à partir de 1991, arrivé 1995, c'est seulement 12 équipes qui étaient participées. À partir de 1999, nombre d'équipes participées a augmenté. 16 équipes pour arriver jusqu'à 2011. Et de 2015 à 2019, c'est à peu près 24 équipes. Donc, c'est pour la première fois en Coupe du monde féminin libéral organisé avec 32 formations. Parmi ces 32 formations, il y a la présence de la sélection haïtienne. Et Haïti pourra participer pour la première fois dans une phase finale de la Coupe du monde féminine senior avec une belle génération dorée qui gagne la donne Léa Modésir, Melchidel Dumoné, Shirley Jeudi, Chelsea Surpris, Milan Pierre Jérôme, Caloteis, Roselo Bojla. Donc, c'est une équipe haïtienne qui fait rêver toutes les fanatiques football en Haïti après que Youfin eh bien, fait un bel parcours dans CONCACAF. Donc, Haïti a entré en lice à partir de 22 juillet contre la formation Angleterre, de lui-même championne d'Europe en titre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, ça pas négliger, mettez un like. Partagez et dites-nous qui ça, qui souhaite ou gagner pour la sélection haïtienne senior qui eux-mêmes pourraient entrer dans la bataille. Donc, pourquoi elle est là, vous gagnez tout détail sur football féminin. C'est Filioka, n'apprêtez Filioka, n'apprenez-vous pour une autre vidéo.